Bonjour, aujourd'hui nous sommes le samedi 30 novembre 2019 et nos amis guides m'ont parlé de la fin de vos difficultés, ce que vous endurez, ce que vous supportez, une situation difficile qui va prendre fin. On me parle en fait d'obstacles, d'épreuves à supporter et à dépasser. Bien qu'elles peuvent sembler énormes ou insurmontables, vos situations peuvent s'améliorer. L'obscurité laissant place à la lumière et à la légèreté. Si vous êtes un homme, on me parle de surprises, de chances, d'opportunités. Si vous êtes une femme, on me parle d'évolution, d'ascension dans vos projets. D'ascension, d'élévation, de réussite aussi dans vos entreprises si vous travaillez. Vous vous sentez, pour quelques-uns, démunis probablement et seuls dans vos difficultés. Fatigué de vivre des situations qui traînent, vous avez le sentiment qu'aucun changement ne vient. On me dit que pour vous frayer un chemin, pour vous libérer de vos obstacles, à demander à l'univers. On vous invite à demander à votre bonne étoile, à votre guide, à votre ange, peu importe vos croyances, demandez pour assouplir vos épreuves. Pour ceux et celles qui écoutent et perçoivent ce message aujourd'hui, faites une prière, faites une demande afin d'être exaucé. La joie peut se présenter, la délivrance peut se présenter. Le bonheur peut se représenter dans votre vie. On me dit que parmi vous, il y en a qui se font voler la vedette. Voler la vedette. J'ai le sentiment de projet ou de réussite qui vous sont passées sous le nez, qui vous passent sous le nez. Soit parce que vous avez manqué votre chance, ou vous n'avez pas saisi les bonnes opportunités quand elles se présentaient. Prenez soin de vos projets, on me dit. De ce que vous notez sur vos papiers, sur vos feuilles, sur des pages, rangez-les convenablement à l'abri des regards. On me donne le mot assurance. Assurance. Prenez des assurances, je crois. Sécurisez ce qui doit être sécurisé, protégé. Concernant l'amour, on me montre des couples où il y a de l'ennui, des personnes qui se ressentent déprimées vis-à-vis de leur partenaire. Je ressens qu'elles souffrent. Je pourrais dire aussi qu'elles sont malheureuses. En tout cas, elles ne sont pas épanouies selon moi. Je ressens que des relations affectives se dégradent, que l'amour s'éteint. Je ressens la possibilité de provoquer l'arrêt de ces relations, d'y mettre fin, afin de retrouver la joie, du bonheur, de l'épanouissement. Je ressens des relations qui sont épuisantes. Il se peut que votre relation de couple soit un obstacle aussi à vos projets, votre évolution. Vous évolueriez mieux en étant seul ou en mettant fin à cette relation. En fait, j'ai le sentiment qu'il y a des relations amoureuses qui bloquent des projets. Des relations qui vous entravent au lieu de vous faire avancer. Elles vous mettent des bâtons dans les roues. C'est probablement votre partenaire aussi qui cause les difficultés que vous traversez en ce moment. Des situations que vous supportez depuis longtemps à cause de votre partenaire, de celui que vous aimez.
J'y ressens aussi une routine qui peut être grandissante, installée depuis un moment, depuis pas mal d'années, et qui continue. Je ressens que vous voudriez vous épanouir dans la construction de votre relation, dans la construction de cet amour, mais vous avez un mur en face de vous. Je vous ressens mal, malade même. Je ressens des séparations, des ruptures, des divorces pour certains d'entre vous. On me parle d'ailleurs que selon vos situations, en amour ou au travail, que vous allez vous organiser, que vous devriez vous organiser auprès des instances publiques, entamer des procédures, mettre des choses en règle. Pour le travail, je crois qu'il s'agit d'assurance, de protection par les mutuelles ou d'autres organismes, des démarches par rapport à la fiscalité, au statut juridique de votre entreprise par exemple. Certains d'entre vous se réengagent avec d'anciens collègues ou collaborateurs. Pour les relations amoureuses, les relations de couple, je ressens beaucoup de soucis, du souci que vous vous faites, et pour certains d'entre vous, vous déciderez de partir, de vous construire ailleurs. Je ressens des séparations, des éloignements qui auront pour conséquence de travailler ailleurs, du coup. Aujourd'hui, face à vos difficultés, il est question de profiter des ouvertures dont vous disposez et disposerez, de faire des choix, d'opter pour des possibilités qui vont vous permettre de retrouver de l'aisance, d'être heureux à nouveau, par exemple en quittant son entreprise, en se séparant de celui et celle qu'on aime, afin de se retrouver, afin de se connecter à soi, être plus épanoui. Un oiseau est enfermé dans une cage et les nuages défilent. Il ne peut pas voler, il ne peut pas rejoindre tous ceux qui sont libres. Seuls des humains peuvent de son sort s'en amuser. Quel homme peut supporter de se sentir enfermé? C'était le message de ce samedi 30 novembre 2019. Je vous souhaite de trouver les ouvertures dans vos situations difficiles ou compliquées, de pouvoir opter pour un choix, qu'il soit facile ou pas, pour être plus heureux. Bonne journée.